C'était un match compliqué avec des conditions en première mi-temps qui n'étaient pas faciles, beaucoup de vent. Et je pense qu'on a réussi à bien gérer le match en tournant à 10-10 à la pause. Quoi. Quand tu reviens en deuxième mi-temps avec le vent dans le dos, psychologiquement déjà, tu sais que tu as un petit plus. Et voilà, on a essayé de ne pas baisser le régime, de continuer à faire du jeu. D'imposer notre rythme aussi, de casser le jeu quand c'était nécessaire et d'accélérer quand on pouvait. Et puis voilà, à la fin du compte, ça nous sourit. Donc voilà, une victoire importante pour nous parce qu'elle valide la victoire à Bordeaux. Et qu'aujourd'hui, eh ben, on reste dans le wagon des qualifiés. Et voilà, on va essayer d'y rester le plus longtemps possible. On savait que c'est des matchs qui allaient se jouer, qui allaient être difficiles à Âpre, parce que c'est un match de reprise, parce que c'est clairement... parce que les conditions ne sont pas idéales, même si finalement il a fait très bon. Voilà, je savais qu'on allait se neutraliser, même si je suis quand même très déçu de notre première mi-temps. Puis après, effectivement, comme on s'en doutait un peu, le coaching a été bénéfique et on peut dire que c'est lui qui fait basculer le match, mais comme souvent maintenant, sur une rugby moderne quand même. Hein. On est content parce qu'on a gagné le match, on est content parce que bon, c'est pas facile de battre Clermont. Mais je ne suis pas satisfait du match, je ne suis pas satisfait de l'engagement physique qu'on a mis en première mi-temps, je ne suis pas satisfait de notre collectif sur l'ensemble du match, même si les 20 dernières minutes ont été bien meilleures, bien meilleures. C'est un peu à l'image de notre dernière mêlée. Oui. Parce qu'on ne se comprend pas bien. Non, on ne subit pas, on part, alors qu'il y a la sirène, qu'ils ont sa merde. Alors je ne sais pas si... Encore une fois, c'est pas dominant aujourd'hui. J'ai pas d'amertume dans mon esprit, hein, mais je m'attendais à mieux, quoi. Voilà, je m'attendais à mieux. On avait bien travaillé la semaine. Hein, on est capable de beaucoup mieux. Et je suis déçu là-dessus. Mais bon, en même temps, ça nous laisse du pain sur la planche pour la semaine prochaine. Hein. Je sais comment ça va se passer lundi.